Salut à tous aujourd'hui parce que j'ai dormi, on a fait la review ce matin, etc. J'ai dormi, je n'ai pas d'en avec moi parce qu'il est parti faire des trucs et j'en ai pas pu enregistrer. Mais on avait promis une review de chaque jour, si vous l'aviez pas eu aujourd'hui, ça aurait gueulé, je connais. Du coup, je vous fais le reveal en vite fait, hop hop hop, en slali. Du coup, on ne peut même pas être deux, donc on va pas trop discuter vu que je suis tout seul. Et du coup, on parlera de toutes ces nouvelles cartes, bien entendu, dans une review avec Den, avec Trecor, et on finira tout ça. Alors, j'allume ça parce que regardez, du coup, ce nouveau champion, c'est Xerath. Et vous le voyez, c'est à gauche, il faut faire attention, c'est à gauche le premier niveau de Xerath. Il est donc 3-3 pour 4, ce qui sont des stats. Peu dégueulasse, on va pas se mentir. Quand un site allié est détruit, inflige un point de dégâts à l'ennemi le plus faible. Ok, donc il faut se péter ses propres sites, ou alors voilà, attendre que les sites se détruisent d'eux-mêmes. Quand vous avez détruit 4 alliés, ils passent au niveau 2. Il faut juste avoir détruit, hein. Il faut pas les avoir vus, donc assez simple, j'imagine, à faire évoluer. Il devient 4-4, il dit quand un site allié est détruit, inflige 3 points de dégâts à l'ennemi le plus faible. Ok, ça passe directement à 3. Mais attention, il a un niveau 3 parce que c'est un transfiguré, comme Nasus, comme Renekton, comme Azir. Donc, Mono Shurima, pourquoi pas. Il faut avoir restauré le disque solaire jusqu'ici. Vous savez comment on passe les héros de Shurima au niveau 3. Et du coup, une fois qu'il passe au niveau 3, il est 5-9, là ça déconne plus. Il inflige 5 points de dégâts à l'ennemi le plus faible et au Nexus ennemi. Au début du round, donc il te regarde, il te dit tu vas mourir, et il dit si une unité ennemie devait mourir, oblitérez-la à la place. Ouais, quand il évolue, il te dit je vais te péter ta gueule. Maintenant qu'on a Xerath qui a l'air d'évoluer quand même assez simplement, et qu'on n'est plus obligé de jouer des champions de combat avec Renekton ou Nasus, peut-être qu'un Azir Xerath. Pourquoi pas, on pourra en discuter pendant la review. Et son rite arcanique, le rite arcanique de Xerath, on va voir qu'il y a le sort qui existe aussi en normal, c'est détruisez un site allié ou l'un de vos emplacements de mana pour infliger 4 points de dégâts à une unité ennemie pour 3. Ok, ça fait 3 pour 4, c'est avec une condition, mais j'imagine que en fait la condition elle va être avantageuse. Donc, pourquoi pas. On a le dévot inconditionnel. Le dévot inconditionnel, il dit dernier souffle, invoquer un sarcophage. Il est 3-3 pour 3. Alors, le sarcophage, on va sûrement l'avoir. Pif. Voilà. Voilà, voilà. Le sarcophage, du coup, c'est un site pour 1 avec un décompte de 3. Quand je suis détruit, invoquer un dévot ressuscité. Donc, on a vu la carte d'avant, on pourra le faire dessus. Et du coup, le dévot ressuscité, c'est une 5-3 redoutable. Ah, ça commence à... Ça fait beaucoup, parce que malgré tout... Ça reste un truc qui va s'activer quoi qu'il arrive vu qu'il y a un décompte de 3. Donc cette petite créature a fait beaucoup de value pour le mana qu'elle fait. Hein. Ensuite on a l'hôtel de pouvoir. Il coûte 6, il est épique. Décompte de 3 ou quand je suis détruit, invoquer un Damilin, l'inexorable. On le voit à côté, c'est une 7-6 surpuissance dégâts des sorts pour 7. On a une 6-4 dégâts des sorts. Bouclier anti-sort. On a une 6-4 bouclier bouclier anti-sort sur puissance pour 6. Techniquement, hôtel de pouvoir, ça coûte la même chose. Il arrive 3 tours après, mais c'est une 7-6. Il gagne 1 point de stat par tour. Si on a un moyen, par exemple, ce petit sort qu'on a vu avant, de l'invoquer sur T6, ça déconne 0. Ça déconne 0, c'est des grosses stats. On a le héros du mage. Pour 5, c'est une 4-4. Quand je suis invoqué, si vous avez détruit au moins 4 sites alliés dans la partie, octroyez plus 2, plus 2 et surpuissance à vos champions où qu'ils soient. Ok. Ok, ça buff tous les champions, etc. Ça leur donne surpuissance. Le buff surpuissance, c'est sympa. Si on a beaucoup de destruction de sites, pour l'instant, il est un peu tout seul. Mais on a celle qui a invoqué des blairours, etc. Pourquoi pas. L'engendreur de ruines à côté, pour 3, une 3-3 surpuissance, dot correct, pas ouf, on voit que le staple c'est 4-3 surpuissance pour 3. Quand un site allié est détruit, octroyez-moi plus 1, plus 1. Ah, quand il est là, à chaque fois, du coup, hein, ça peut monter 4-4, 5-5, pourquoi pas, non, ça a l'air sympa.
Manifestation du désespoir pour un en instantané, créer un acolyte ravageur ou un obélisque de pouvoir dans votre main. D'accord, j'imagine qu'on va les avoir là. Acolyte ravageur, immédiat, détruisez un site allié pour octroyer +1/+1 à tous les acolytes ravageurs alliés où qu'ils soient. Ah d'accord, du coup c'est une vraie carte, on peut en jouer et ça peut en créer. Et à chaque fois qu'on détruit un site, ça donne +1/+1. Ok, du coup on est un petit peu sur... un petit peu comme les maraudeurs, quelque chose comme ça, ou les Wraith. Et du coup la deuxième carte c'est l'obélisque du pouvoir, carte qui existe aussi en réalité, qui coûte 1 et c'est un site avec un décompte de 3 quand je suis invoqué ou détruit. Ou quand je suis invoqué ou détruit, hein, décompte de 3 ou quand je suis invoqué ou détruit, d'accord. Octroyer +2/+0 à l'allié le plus fort, d'accord, en gros on le pose, ça donne +2/+0, au bout de 3 ou quand il est détruit, +2/+0, ok. La Sibylle des Sables, elle coûte 5, elle est 5-4 redoutable, immédiat piocher une carte, ok. Si vous avez pioché un site, répétez cet effet. 5-4 redoutable, c'est pas dégueu comme stat. 5-4 redoutable qui pioche potentiellement 2. C'est... Dans un deck avec pas mal de sites, ça semble... Le problème, c'est que les decks avec pas mal de sites, on voit que ça marche pas de ouf. Mais c'est pas dégueu. Énergie déchaînée, ça coûte 3. Instantané, conférer +2/+1 à un allié pour se rendre ou détruisez un site allié pour conférer +4/+2 à un allié pour se rendre. D'accord. +4/+2 pour 3, c'est potentiellement. Avec un... pourquoi pas, pourquoi pas. C'est... Il faut vraiment le jouer en synergie, sinon c'est une mauvaise carte. Mais si on peut le jouer en synergie, voilà. Et la dernière carte, la servitude du désespoir, pour 7 en instantané, invoquer un instant statique pour y contenir les unités alliées mortes et les sites alliés détruits pendant ce round. Ok. C'est une carte qu'on a vue, instant statique? Ou je l'ai raté, je me rappelle plus ce que c'est. Ça doit 100% c'est une carte qui existait, ça. On est d'accord? Regardez, je fais instant statique. Runeterra, je tape sur Google. Je vous le dis en direct. Hein. Hashtag je mens pas. Parce que je me rappelle plus comme ça de. Je me rappelle plus de loin et je ne trouve rien comme ça. Doit sûrement y avoir la carte qui existe. Instant statique, voilà, c'est pour 2. Ah oui, d'accord, c'est le site invoque une copie exacte de l'unité oblitérée que j'ai remplacée. Oui, d'accord, c'est l'effet du sablier. D'accord, c'est l'effet du sablier. Ok, du coup, servitude du désespoir, c'est un bout, c'est un espèce de sablier... c'est genre on te fait une ruine et tu dis servitude du désespoir et t'as tout qui revient. C'est fait pour... où là on voit tous les sites, etc. En gros on fait plein de trucs et à la fin ça repop. D'accord, ok, pourquoi pas. Pourquoi pas, ça a l'air intéressant comme mécanique, faudra voir comment ça marche. Voilà, c'était toutes les cartes pour aujourd'hui. Désolé pour Den, désolé à vous aussi parce que c'est ma faute si j'ai pas pu avoir Den avec moi. On se retrouve demain pour le dernier reveal du dernier héros, qui ça peut bien donc être. On ne sait pas. Et du coup, les reveals normalement étant terminés, on aura la dernière review demain soir et les premiers tests, etc. aussi demain soir. Je vous fais des gros poutous et on se retrouve très vite pour la suite et la fin des cartes de l'extension Runeterra, les Beyond the Battlewood. Des bisous les copains, salut!